Bien, 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 bien. Les amis, l'actualité, on est fin janvier, ça s'active de plus en plus, ça fait bien plaisir. En tout cas, ça fait très 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 plaisir. Hey la team JVM, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et tandis qu'on parlait beaucoup beaucoup d'hier du rachat d'Activision Blizzard par Xbox, et bien aujourd'hui c'est PlayStation qui fait parler d'eux, pour la simple et bonne raison que Guerrilla vient de balancer il y a quelques minutes à peine un tout nouveau trailer de Horizon Forbidden West. Alors je me suis dit que ce serait très cool de voir ce trailer avec vous, de réagir un peu à tout ça, et découvrir un peu les hypothétiques surprises, parce que j'ai cru voir qu'il y avait une petite surprise plutôt intéressante, et de réagir à cette dernière et d'analyser un peu le trailer. J'ai attendu également un tout petit peu pour avoir le trailer en VOSTFR, donc vous allez tout comprendre. On va voir un peu quels sont les dialogues, mais c'est tombé. Petit article PlayStation Blog qui fait bien plaisir, tu connais. Guerrilla offre un aperçu de la quête épique d'Aloy dans Horizon, l'Ouest interdit, Forbidden West, donc rencontrer quelques-uns des nouveaux compagnons qui rejoindront le prochain chapitre de l'histoire d'Aloy. Le prochain chapitre de l'histoire d'Aloy commence le 18 février prochain et elle devra faire face à une tempête de nouvelles menaces, un fléau qui met fin au monde, Regala et ses rebelles, Silence et ses machinations, ainsi que de nombreux nouveaux dangers qui n'ont pas encore été révélés. Mais alors qu'elle s'aventure à la frontière de l'Ouest interdit, Aloy ne sera pas seule face à ses périls. Elle sera rejointe par des compagnons à la fois nouveaux et familiers, y compris des piliers comme Varl et Erend, ainsi que de nouveaux alliés comme Zo, Alva et Kotalo. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle bande-annonce qui offre un aperçu passionnant de ce qu'attend Aloy, de ce qui attend Aloy et ses amis alors qu'ils s'aventurent dans l'Ouest interdit. En plus de cela, nous sommes ravis de vous montrer notre nouveau key art, à peu près, opposant l'équipage d'Aloy à Regala et ses rebelles, et certaines des machines les plus dangereuses que l'Ouest a à offrir. Il présente également Silence, et Caro, le chef de la tribu Tenact, et Tilda, un nouveau personnage mystérieux avec un lien spécial avec le passé ancien. Aloy et ses compagnons pourront-ils surmonter les dangers de la nature et les péchés du passé pour sauver une planète mourante? Découvrez dès maintenant leur périple épique, puis découvrez la réponse le 18 février. Nous avons des images. C'est Carrie Elmos, non? Qui joue Trinity dans Matrix? On va regarder le trailer. On va regarder le trailer. On va se mettre bien. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Réagissons à tout cela ensemble. Le trailer de Horizon Forbidden West, c'est dès maintenant. Let's go! J'ai cru voir un truc qui m'a perturbé. People are suffering. Soon, they'll starve. And the machines meant to help us are out of control. I have to find a way to fix it all. C'est chaotique. And the answer is somewhere out in the Forbidden West. Ah, ce jeu il est beau, hein. Punaise. Ce jeu il est beau. Et la musique. Donc on a une guerre de tribus. On a des conflits. Ils sont plus importants. Un ordre supérieur. Supplied her with troops, weapons, even the ability to control machines, machines of war. Whatever secrets he has, he's keeping to himself. L'ordre supérieur. The solution I need is broken and scattered. Everywhere I look. Things are falling apart. I don't know if I can find a way forward. Like Elizabeth did. Ça fait deux fois qu'elle mentionne Elizabeth Sobeck, hein, quand même. Hein. L'héritage est important, mine de rien. All by yourself? Ha! No way. I'll be careful and. We're coming with you. Ouais, les bros! Les bros! Yeah! Eren, Varl! I
Oh là, serpent là, mon gars, il va faire mal. De ouf là. Ok, 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 ok. Ok, ok, d'accord. Donc, on a la confirmation, mais c'est quand même pas mal. Il me semble pas que dans l'histoire des exclus PlayStation, ce soit si récurrent que ça. On a la confirmation qu'on a une actrice hollywoodienne de haut rang, mine de rien, c'est Carrie Anne Moss. On a la confirmation qu'elle est dans le jeu et qu'elle va incarner le personnage de Tilda. Et selon PlayStation, bah vraisemblablement, elle serait liée au passé, en gros, de la Terre. Elle serait liée à ce que les humains étaient précédemment. Mais c'est un truc qui est trop bien. C'est une belle surprise. Franchement, c'est une belle surprise de voir qu'on a une actrice pareille. Pour regarder un peu, pour analyser un peu le trailer de façon générale. Donc, la situation initiale. La Terre se meurt, l'écosystème s'effondre, plus de bouffe, c'est chaud. Les machines sont incontrôlables. Aloy décide de partir vers l'ouest parce que c'est là qu'il y a des réponses. Ce qui fait également le lien avec le DLC Frozen Wild également, parce qu'elle en parle un peu à la fin. C'est un territoire qui vraisemblablement est dangereux, où on a les Ténacts qui foutent un peu la merde, hein, qui font un peu n'importe quoi. Ah non, pardon, les Régalas, excuse-moi. Les Régalas, on a aussi les Ténacts, les Ténacts seront avec... Bah, attendez, c'est un truc qui est très bizarre. Parce qu'ils ont dit que les Ténacts étaient avec Aloy. Mais les Ténacts, elle les a affrontés dans la dernière séquence de gameplay. C'est très bizarre ce qui se passe. Mais ok, je vois, parfait. Ça marche. Et par contre, il y a un truc qui me perturbe un peu, c'est cette histoire d'ordre supérieur. En gros, les Régalas, et le chef Régala, ont des armes, ont des moyens qui sont donnés par un ordre supérieur. Vraisemblablement, alors, je sais pas s'ils sortent de terre juste parce que c'est juste pour la cinématique, mais ok, il se passe des choses, vraisemblablement. Et quel est le lien entre Silence, cet ordre supérieur, les Régalas, et comment est-ce qu'ils vont... Enfin, il y a des éléments qui nous manquent, hein, ça c'est sûr et certain, mais je trouve ça particulièrement étrange. Parce que pour le premier épisode, alors là, excusez-moi, je vais spoiler, mais pour le premier épisode, la majorité du temps, ces machines débarquées, c'était, on va dire, Hadès qui avait corrompu un peu toutes les machines. Mais là, en sachant que je ne sais pas si Hadès sera vraiment de retour, si c'est le cas, ce sera un peu redondant, je vous avoue. Je pense que ça va être un autre type d'antagoniste, mine de rien. Mais vous voyez cette porte-là ? Et je suis sûr d'avoir déjà vu ce symbole quelque part. J'en suis sûr et certain. Mais par contre, vous voyez cette porte-là ? Ça veut dire que derrière, il y a quelque chose. Alors, peut-être que ça fait un peu écho avec le premier horizon, justement, où Aloy a cherché à ouvrir la porte dans le sanctuaire qui était au cœur du village, c'était dans la région de la toute mer, je crois. Ou dans le cœur de la mer, je sais plus. Ça fait penser à ça. Mon seul espoir est désormais brisé en 1000 morceaux. Enfin, moi je trouve qu'il y a un truc qui est bizarre. Alors après, j'ai une théorie. Mais peut-être que c'est un peu trop gros. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait... je crois que c'était le SRB qui avait juste balancé un truc qui avait en gros classifié Horizon Forbidden West et ils avaient évoqué le fait qu'on ait des extraterrestres dans le jeu. On en a peu parlé, mais c'est ce qu'un organisme général avait dit dans son truc. Donc, est-ce qu'on aurait une race extraterrestre dans l'eau qui pourrait aider les Régalas? Mais dans ce cas-là, dans quel but? Pourquoi ils font ça? Depuis quand ils sont là? La question peut se poser. Quel est le rôle de Tilda? Quel sera le rôle de Silence? Le fait qu'on reparle d'Elisabeth Sobeck aussi, c'est plutôt intéressant. Parce que c'est sur ça que tout l'arc du premier Horizon se fait. Ce jeu est vachement beau, je le dirai jamais assez. Bref, enfin, et on a le retour évidemment de Erend, de Varl, etc. Ça m'a l'air d'être une plateforme à l'arrière qui est plutôt moderne. Donc, non, franchement, c'est vraiment cool. J'ai eu un petit coup de stress pendant une seconde, je me suis dit, ah, ça y est, ça va, on va enfin montrer qu'on peut les monter. Pas du tout. J'ai l'impression que PlayStation joue un peu avec nos nerfs. C'est vachement beau. Et ça promet du lourd. Il y a beaucoup de choses qui sont encore mystérieuses. C'est vrai que le premier Horizon avait beaucoup distillé ces informations dans des textes, des trucs à lire, etc. Ce qui a pu rebuter certains joueurs, moi j'avais quasiment tout lu. Mais là, peut-être que ça va être un truc qui est un peu plus dans la mise en scène et tout sera expliqué via la mise en scène. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu perturbé. J'ai l'impression qu'il... Alors attendez, peut-être que... Alors peut-être que je me trompe.
mais on dirait des espèces de couveuses. C'est très étrange. Enfin, et là, on suspecte que... Enfin, là, ça m'a l'air d'être Varl. On a Varl avec un autre personnage à l'arrière. Ok. D'accord. Et on a le truc à la fin avec... Alors, je ne sais pas qui est... Alors, qui est ce personnage, par contre? C'est Gaïa? Ça me semble être Gaïa. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais ça me semble être Gaïa. Et Gaïa connaît l'existence de Tilda. Et s'ils ont mis Carrie Anne Moss, ce qui est une, encore une fois, une surprise, s'ils ont mis Carrie Anne Moss, c'est peut-être pas pour rien. Mystère et boule de gomme. L'affaire est à suivre par rapport à tout ça. En tout cas, ça promet d'être plutôt cool et assez intéressant du côté de ce Horizon Forbidden West. Merci infiniment, en tout cas, les amis, d'avoir suivi cette vidéo avec moi, d'avoir découvert ce petit trailer et d'avoir regardé un peu cette petite analyse. Très intéressant, ce qui est en train de se passer. Rendez-vous donc le 18 février prochain. Je pense que là, on est à un stade où le jeu, il faut absolument qu'il sorte. Hein, à un moment donné, voilà, ça suffit les bêtises. On veut toucher au jeu. Donc, rendez-vous le 18, enfin, du coup, un peu plus tôt pour moi, pour avoir des réponses par rapport à tout ce qui s'est passé, et on en parlera évidemment sur la chaîne, en long, en large, en travers, parce que Dieu sait à quel point ce Horizon Forbidden West me fait extrêmement envie. Bref, l'avenir de PlayStation s'annonce particulièrement radieux. En tout cas, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, me suivre, mais également suivre Jeux Vidéo Magazine sur les réseaux sociaux pour plus d'actualités, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous, c'était Momo pour JVM, et comme d'habitude, je vous dis la bise, jouez bien, prenez soin de vous, et j'ai extrêmement hâte de découvrir la suite d'Aloy par rapport à l'Ouest prohibé. Ça va être sympathique. Ciao.